بسم الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans le prolongement de notre série de cours en profilage, nous allons aborder aujourd'hui le profil sociopathe et le profil borderline. Mais avant de commencer ce cours, j'aimerais m'attarder sur l'importance de l'image que l'on devrait avoir d'Allah, de soi-même ou des autres. Effectivement, avant de s'être rebellé, de s'être enflé d'orgueil, Iblis a cultivé une très belle image de lui-même, si bien que c'était la cause essentielle et première de sa perdition. Car effectivement, il peut avoir un décalage entre l'image que l'on se fait de soi et la réalité. Et quand le décalage est trop grand, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver d'une épreuve qui va faire triompher la réalité sur l'image que l'on se faisait de soi. Et quand on n'accepte pas cette réalité, en raison de la belle image que l'on se fait de soi, eh bien ce décalage entre la belle image que l'on a de soi et la réalité de notre profil peut nous faire mal et souffrir. Et cette souffrance, Iblis ne l'a pas acceptée. Il n'a pas accepté de souffrir, étant donné qu'à travers son épreuve, un décalage s'est opéré entre la réalité de qui il était vraiment et l'image qu'il se faisait de lui-même. Consécutivement, il s'est enflé d'orgueil, n'a pas accepté la vérité, en osant argumenter devant Allah Ta'ala, la vérité par excellence. Ainsi, il y a deux types d'attitudes face à l'épreuve, quand cette dernière génère de la souffrance. Soit c'est une souffrance noble, quand la réalité nous l'acceptons, et l'image que nous avons de nous-mêmes s'incline face à la réalité, et que l'on devient humble, comme ces humbles qui, lorsqu'ils sont frappés par la maladie, reconnaissent qu'ils ne sont rien du tout, de simples serviteurs d'Allah Ta'ala. Vous avez des gens qui, à travers l'épreuve, constatent que l'écart qu'il y avait entre l'idée de eux-mêmes et la réalité a disparu, et ils sont redevenus humbles. Ils sont redevenus ce qu'ils étaient réellement, des êtres humbles. Parfois donc l'épreuve peut cultiver notre humilité. Et parfois, l'épreuve peut générer de l'orgueil lorsqu'on n'accepte pas le décalage qu'il y a entre la réalité et l'image que l'on se fait de soi par la non-acceptation de la souffrance. C'est pourquoi il y a trois attitudes vis-à-vis de la souffrance. L'acceptation, la non-acceptation et l'incompréhension. Et c'est à partir de la non-acceptation que naît le profil sociopathe. Car je le rappelle, un sociopathe est une personne maudite, dans le sens où elle est incapable de reconnaître ses torts et de se remettre en question. Et les caractéristiques de la malédiction, c'est l'orgueil. Parce que avant d'être orgueilleux, le sociopathe n'a pas accepté sa souffrance. Et donc la cause à la sociopathie, c'est la non-acceptation de la souffrance. Détrompez-vous, Iblis et tous ses partisans parmi les djinns et les humains sont des êtres en souffrance. Ils souffrent énormément. Mais au lieu de faire de la souffrance une force qui les pousse vers le meilleur de eux-mêmes, ils ont fait de la souffrance une force qui les pousse vers le pire de eux-mêmes. Et dans ce sens, le sociopathe est un individu rebelle qui, par la belle image de lui-même, a cultivé une mauvaise image d'Allah. Et très souvent, les sociopathes, on les reconnaît au fait que lorsqu'ils sont éprouvés, souffrent, n'acceptant pas leur souffrance, se mettent en colère contre leur Seigneur. Et dès qu'on se met en colère contre Allah, on est frappé immédiatement par une malédiction qui se traduit par la présence d'un démon qui va nous proposer un pacte. Et très souvent, les gens qui se sont mis en colère contre Allah ou contre le destin
sont des personnes qui sont capables de faire du mauvais œil, car ils n'acceptent pas que d'autres personnes peuvent être heureux au détriment de eux-mêmes. Dans le sens où ils ont une vision égocentrique du monde. Et tout est relatif à leur état d'âme, si bien qu'ils se refusent à voir d'autres personnes dans la joie alors que eux souffrent. Et dans ce sens, ils vont être de véritables corrupteurs de l'humanité puisqu'ils vont travailler à répandre la souffrance sur la surface de la Terre. Le profil sociopathe est le profil de base de tous les profils négatifs. Comme le pervers narcissique qui utilise sa souffrance pour manipuler, comme l'érotomane ou le psychopathe. Ainsi, on reconnaît le profil sociopathe à trois attitudes quand vous le contrariez. À l'endroit de la conception qu'il a de l'ordre. 1. Soit il rentre en conflit quand vous lui tenez tête. Soit il vous efface quand vous ne lui tenez pas tête. Ou soit, il intériorise une négativité quand il se refuse d'être mauvais extérieurement en vous envoyant un flux négatif consécutif du mépris qu'il aura à votre égard, un mépris non avoué. Et consécutivement, une mauvaise image de vous. Tout est une question d'image. Quand on a une mauvaise image d'Allah Ta'ala, en n'acceptant pas son épreuve, en le rendant responsable de notre propre souffrance, automatiquement, une malédiction nous frappe. Et cette dernière sera le trouble de la sociopathie. Ainsi, le sociopathe est un profil ténébreux, à la base de tous les profils négatifs. Mais on peut être sociopathe par procuration. Et ce, quand on a une belle image d'un sociopathe. Là encore, quand l'image n'est pas en phase avec la réalité, on peut absorber la négativité d'un bourreau. C'est souvent le cas à l'endroit d'une relation avec un pervers narcissique. Quand vous avez une belle image d'un pervers narcissique par le voilement de la face, eh bien le virus de la perversité narcissique va vous pénétrer. Il en va de même du trouble de la sociopathie. Quand l'enfant a une belle image de son parent sociopathe, alors il va devenir un sociopathe par procuration. D'où l'importance d'avoir une image en phase avec la réalité. Car tout décalage à l'endroit de l'image peut permettre à la toxicité de se déplacer. Wallahi, énormément de personnes négligent ce principe fondamental à travers lequel beaucoup de toxicité se sont répandues dans des familles pour détruire des innocents. Car il suffit que des parents côtoient, fréquentent des sociopathes, des sorciers, des pervers narcissiques avec une belle image de ces gens-là pour que le virus de la sociopathie, de la perversité narcissique pénètre les enfants par la voix du parent qui n'a pas été scrupuleux à l'endroit du principe de l'alliance et du désaveu. Il existe une autre voie à travers laquelle on peut devenir sociopathe, à savoir les voies de l'injustice qui ne se rachète pas et qui implique par conséquent une malédiction. Car lorsque l'on commet des injustices, on peut se libérer de la malédiction qui en découle quand on se rachète de cette dernière. Et à l'endroit de l'injustice vis-à-vis d'un enfant, quand ce dernier se construit au moment de son enfance, si on le traumatise par des actes qu'il n'oubliera jamais et qui vont participer de sa souffrance, une souffrance qui l'accompagnera durant toute sa vie, alors tant que l'enfant ne pardonne pas, le sociopathe ne pourra pas guérir de sa sociopathie et s'engouffrera dans un orgueil qui l'empêchera de reconnaître ses torts. Et c'est pourquoi le sociopathe ne peut guérir qu'à la condition qu'il reconnaisse ses torts. Et quand son aveuglement est la conséquence d'une malédiction qui a fait suite à une injustice à l'endroit d'un enfant, alors Allah Ta'ala ne pourra le libérer qu'à la condition que l'enfant ose pardonner à son bourreau et que son bourreau demande des excuses.
car il est inutile de pardonner à une personne qui se refuse à reconnaître sa part de responsabilité dans un drame. La différence qu'il y a entre le profil sociopathe et le profil borderline, c'est que le profil borderline, lui, est une personne qui peut se remettre en question et qui peut accepter de vivre avec une personne en se soumettant à un ordre extérieur. Car le sociopathe, lui, ne peut pas accepter un ordre extérieur à lui-même. Le borderline, si. Malgré que le point commun qu'il y a entre le borderline et le sociopathe, c'est qu'ils ont une souffrance non évacuée de manière saine. Le sociopathe, quant à lui, aspire, pour se sentir bien, à faire souffrir d'autres personnes. D'où la sociopathie de ces gens qui détruisent jusqu'à devenir des psychopathes. Et vous avez le borderline qui stocke de la souffrance en lui, car ne l'ayant pas évacué d'une manière saine, malheureusement, cette dernière risque de se traduire par des réactions disproportionnées au moment de la colère. Et c'est ainsi que l'on reconnaît le borderline lorsqu'il est blessé dans son amour propre, donc à l'endroit de l'émotionnel. Il peut absorber le qarin de sa victime, le provoquer jusqu'à le faire descendre dans la négativité au niveau du profil. Ainsi, la dangerosité du profil borderline, c'est qu'il peut vous faire descendre dans votre profil, en vous poussant à faire ressortir le mauvais de vous-même, moyennant la provocation et l'action de toucher là où ça fait mal. Effectivement, le borderline a la capacité d'absorber votre qarin, si bien qu'il saura là où frapper pour développer votre colère. Et dans la colère, vous allez réabsorber votre propre qarin pour devenir la version négative de vous-même. Et combien de gens se sont fait avoir en devenant mauvais, d'une négativité de forme qui n'est pas en phase avec le profil de fond. Combien se sont fait avoir par des profils borderline jusqu'à devenir mauvais et croire en réalité qu'ils étaient mauvais alors que cette négativité était la conséquence d'une relation toxique avec un profil borderline qui a la capacité de faire ressortir le mauvais de vous-même. Je le répète, on a tous une personnalité de fond et une personnalité de forme. Parfois, Allah Ta'ala, à travers des épreuves, fait en sorte que la réalité soit mise à nu, de telle sorte que soit par humilité on se plie à cette réalité, soit par orgueil on n'accepte pas cette réalité, et à travers notre souffrance on va se rebeller contre Allah, ce qui fut le cas de Iblis. Et il y a des gens qui ici-bas se font avoir à travers des relations toxiques avec des personnes susceptibles de faire ressortir le mauvais de eux-mêmes. Comme le profil borderline qui, au moment de la blessure de l'amour propre, peut absorber votre qarin, qui va ensuite, moyennant la provocation et l'action de toucher là où c'est sensible, vous pousser à une colère qui va faire ressortir le mauvais de vous-même. Et le challenge de l'existence, c'est justement de travailler à faire sortir le meilleur de soi et à entretenir cette positivité. Car il y a une bataille spirituelle, la bataille à faire dominer le meilleur de nous-mêmes contre cette partie sombre. Et vous avez d'un côté les partisans du miséricordieux et de l'autre côté les partisans de Shaitan. Et les partisans de Shaitan sont des êtres qui prennent du plaisir à voir souffrir les autres. C'est comme ça que l'on reconnaît un diable humain, à cette caractéristique de se réjouir de voir l'autre souffrir. Alors que le contraire de cette attitude, c'est l'action de faire preuve de miséricorde. Et l'on peut consécutivement définir qu'est-ce que la miséricorde. C'est justement l'action de compatir
à la souffrance de l'autre et de veiller à y remédier autant qu'on fournirait un effort pour remédier à notre propre souffrance. Naam, il existe des gens sur cette terre, des êtres miséricordieux qui voient d'autres personnes souffrir et qui sont prêts à se sacrifier eux-mêmes pour remédier à la souffrance des autres. Voilà les gens du paradis. Voilà les êtres miséricordieux. Ces êtres sans lesquels d'autres personnes seraient vouées à la perte, à l'exemple d'un enfant. Comment voulez-vous que l'enfant survive sans sa mère miséricordieuse qui est prête à se substituer, à lui offrir ses propres sens pour veiller à ce que la vie de cet enfant perdure, s'entretienne? La miséricorde, c'est la vie. La miséricorde, c'est la vie. Tandis que tout ce qui est associé au diable, c'est la mort, et à fréquenter des sorciers, des psychopathes, des pervers narcissiques. Soit vous perdez la tête et vous sombrez dans la folie, soit vous vous écartez de la voie droite en plongeant dans la perversion, ou soit c'est la maladie et la mort qui vous frappera. C'est comme ça que l'on reconnaît des êtres démoniaques, des êtres maudits, condamnés par Allah subhanahu wa ta'ala. La perte, dès qu'on se rapproche d'eux, parce que soit on perd la tête, soit on perd la santé, soit on perd la foi. De l'autre côté, vous avez les êtres lumineux, ces êtres qui sont prêts à accepter de mettre de côté leur propre bonheur pour veiller au bonheur des autres. Et à la question que vous avez posée, comment faire pour soigner le profil borderline? Eh bien, étant donné qu'une personne borderline est une personne en souffrance, dont la souffrance est stockée des conséquences du traumatisme, qui fait que le passé peut déteindre sur le futur, moyennant un pont, le pont du réveil de la souffrance passée par une souffrance présente au moment de la blessure de l'amour propre. Alors il y a deux solutions. Soit soigner la souffrance passée en l'abordant en face, ou soit tomber sur une personne qui aura la stature spirituelle d'accepter d'être victime d'une injustice sans riposter et sans cultiver une image négative de son bourreau. C'est comme ça que l'on peut soigner une personne borderline. À savoir accepter d'être victime d'une injustice sans riposter et sans cultiver une image négative de son bourreau. Mais qu'ils sont bien rares, ces personnes à la miséricorde infinie, à même de les pousser à accepter de souffrir pour assurer la délivrance de l'autre. Car c'est une chose que d'éprouver du plaisir à délivrer une personne de la souffrance. Mais c'est un degré supérieur que d'accepter de souffrir pour délivrer une personne de sa souffrance. Wallahi, nous traversons une époque dramatique où la souffrance s'est répandue et en fonction de notre attitude par rapport à cette dernière se dessine nos profils. Lorsque nous n'acceptons pas la souffrance et que par orgueil on se rebelle, que ce soit contre Allah par l'opposition au destin ou que ce soit contre les autres par le mépris, car comme le disait notre prophète alayhi salatu wassalam, l'orgueil c'est de ne pas accepter la vérité et de mépriser son semblable. Car si on n'accepte pas la vérité, forcément, on doit mépriser celui qui nous la rappelle. Car à travers ce rappel, il y a ce fameux décalage entre l'image que l'on a de soi-même et cette réalité. Ce fameux décalage qui nous fait souffrir d'une souffrance non acceptée. Et celui qui n'accepte pas sa souffrance va en faire une force négative qui va le propulser dans les abîmes des ténèbres. Et la souffrance, quand elle est incomprise,
elle peut être stockée et se traduire, au moment de la blessure de l'amour-propre, par des comportements disproportionnés et dénoués de sagesse. La vie, par conséquent, est une épreuve, avec son lot de douleurs et de souffrances. Le plus important, mes frères et sœurs dans la foi, c'est de travailler à faire en sorte que la souffrance soit une force positive qui nous pousse à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et bihaoulillah, cela sera le prochain profil que l'on étudiera, à savoir le profil lumineux, ceux qui, à travers leur souffrance, parviennent à faire sortir le meilleur de eux-mêmes. Car malheureusement, beaucoup, lorsqu'ils sont frappés par une souffrance, cherchent un exutoire à même de contrebalancer leur peine, et ce, en tombant dans le piège d'Iblis, de chercher à oublier leur douleur par des plaisirs illicites. Qu'Allah Ta'ala nous protège et protège l'ensemble des musulmans humbles.